Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart, évidemment. Toujours et exclusivement sur PlayStation 5, comme d'habitude, un casque ou des écouteurs. Plongez-vous dans le noir si possible, un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure en 4K 60 FPS. Tous ensemble, et je vous ai écouté, parce que je vous écoute tout le temps, nous allons de ce pas modifier la difficulté et on va passer de agent rebelle à leader de la résistance. Ça sera beaucoup plus agressif, ils feront beaucoup plus de dégâts et m'enlèveront sûrement beaucoup plus, enfin ils auront pardon beaucoup plus de santé. Donc c'est fait, on valide, voilà, on est bon. Et au lieu d'aller dans le vaisseau, je vous avoue que vous avez raison, j'ai pas beaucoup fouillé, donc on va un petit peu fouiller cette planète, et si vraiment on trouve rien à se mettre sous la dent, on partira pour la suite de nos aventures. Vous voyez, vous pouvez pas dire que je ne vous écoute pas, vous m'avez beaucoup demandé de prendre plus mon temps, d'augmenter aussi la difficulté, donc c'est chose faite, j'espère que vous êtes contents. D'ailleurs, ça, boum, c'est fait. Un raritium en plus, clairement, on va pas s'en plaindre. Il faut faire attention parce qu'on peut tomber entre les passerelles. D'ailleurs, ces petits hommes-là, ils peuvent aussi se casser un petit peu la gueule. Je suis un connard. C'est ma faute, c'est totalement de ma faute. Je suis genre extrêmement... putain, ouais, mais j'ai vu que c'était jaune. J'ai vu que c'était jaune, j'y ai cru. Pourquoi je retourne ici? C'est juste pour voir... Ok, le boulon a bien été pris en compte parce que j'avais rechargé la partie, souvenez-vous. Et c'était juste pour voir que ça avait bien été pris en compte suite à mon petit bug. Alors, écoutez, j'ai un système d'anneaux. Cet anneau ne me dit strictement rien là, ces deux anneaux. Donc, ma question c'est, est-ce que par hasard, il faudrait pas prendre un truc rapide et faire tout le tour pour passer à travers les deux anneaux pour essayer de déclencher un bonus? Ce truc m'a fait extrêmement peur. Je sais pas vous. Oh, on a quoi là? Qu'est-ce qu'on a là? Un fantôme? Attendez, bougez pas. Bougez pas parce que là, ça m'intéresse. On a une sorte de petit truc violet, je l'avais pas vu. Ah non, c'est des munitions. Bah oui, mais pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Hop, on passe par ici. On va récupérer un escargot rapide. Là, il y a encore des petites lunes sur un malentendu. N'oubliez pas qu'on est en difficile maintenant. Donc, ça va changer. Le jeu est déjà pas si simple que ça en vrai. Alors, on va y aller tout de suite. Bougez pas. Déjà, on va passer. Hop, petite cascade. On va passer par ici. Ensuite, on va passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Vous avez proposé quoi? Vous avez proposé de passer à travers ces deux anneaux. Là, ça peut être très intéressant ce qui va se passer. Donc, chose qu'on va faire immédiatement. On a quelque chose aussi ici. Ok. Très bien, ça. Ok, je sais pas du tout ce que ça va faire. Bah ça ne fait strictement rien, voilà, bah écoutez, bah ça c'était le plaisir d'offrir comme on dit dans le milieu. Alors attendez, parce que, ah d'accord, il y a plein de petits styles, de petits trucs qu'on n'a pas eu l'occasion de faire sur les bords de map. Ça serait dommage qu'on n'aille pas fouiller là-haut, regardez là, cette petite île ici. Ici sur les bords aussi, il y a des trucs qui peuvent être très sympas. J'aimerais bien qu'on trouve... Ça passe, ça passe. On est où? What? Ça passe, messieurs, dames. On est hors map. Ah, ah bah c'est pas fait, ok. Alors, ok. Bon, j'étais fier de ça, mais en fait, bah on n'est pas censé, ok, on n'est pas censé y aller. En fait, j'étais censé glisser sur les cailloux et mourir quoi qu'il arrive. Ah là là, oui, bon écoutez, je me permets. Vous savez, ici on est un petit peu des insiders, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Je me permets de vous faire visiter un petit peu ce que vous ne verrez jamais dans un jeu vidéo, évidemment. Ok, bon, c'est pas grave, on n'a plus rien, on va essayer de passer par ici. Il y aura peut-être quelque chose de très intéressant, n'est-ce pas? On n'est pas censé faire ça non plus. J'ai pas de balles!
Ok, on n'est pas censé faire ça non plus. Bon bah je pense que je vais faire tous les bugs possibles et inimaginables sur cette map. Je vais explorer toutes les choses que les créateurs n'ont pas prévues. Et après on passera à la suite si ça vous gêne pas. Ah c'est terrible. C'est terrible. Vraiment. Et ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien. Ça a l'air d'être... ça a l'air d'être explorable. Ok. Ça a l'air d'être explorable. On est sur une petite île qui n'est pas sur la map. Pas l'impression qu'il y ait grand chose. Il y a même que dalle. Pour vous dire... rien du tout. Bah, on a quand même une petite usine. Alors ça me tracasse un peu, tu vois. Je me dis qu'il y a forcément un petit bonus, un petit truc sympa, tu vois. Ok, allez, on y va. Bah, en fait, les amis... ouais, c'est Murat. Oh. Fais attention à toi. J'ai vraiment pas de bol. En fait, les amis, je pense qu'on a, littéralement tout fait. Hein. Je pense qu'on a littéralement tout fait. Je vais aller checker par des formations professionnelles le boulon en or qu'on avait trouvé tout au fond derrière, qui nous avait valu d'ailleurs le magnifique bug. Voilà, par ici et... c'est fait. On l'a eu. On va aller checker. Oh, attendez. On peut aller là maintenant? Oh, attendez. Oh, c'est là toute la partie de la map jamais exploitée. Très intéressant. Là, on n'est jamais venu ici. Hein. Ok. Là, les amis, nous ne sommes jamais venus ici. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bougez pas. Mon chien aboie, c'est terrible. Allez, désolé, c'était un colis. On adore, on embrasse la poste, évidemment. Ce que l'avenir vous promet, la poste vous l'apporte. Et apparemment, l'avenir m'a promis un colis. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Ok, on a un raritium ici. Donc ça, c'est cool parce que c'est de l'inexploré, les amis. Là, c'est de l'inédit. C'est des choses, c'est du jamais vu. Regardez où nous sommes. On est sur un beau morceau d'île. On a cette île à faire, cette île et cette île. Donc, on va le faire. Et comme ça, vous arrêterez de m'engueuler. Et évidemment, il y a forcément quelque chose de très, très cool à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est soirée-là. Oh, mais non! Il y a nos amis. Alors, pourquoi nous sommes jamais allés ici? Oh, il y a du raritium là-haut. Ah, pas mal, pas mal. Je l'avais pas vu, ça. Ok, on a quelque chose à faire. D'accord, très très bon ça, très très bon. Ici on a quoi les potes? On a rien, on peut pas aller de l'autre côté. Très bizarre. On verra un petit peu plus tard. Ok. On est bon. Oh, ça c'est de l'inexploré ça. Ça c'est de l'inédit, c'est de l'insider. Ok. Oh, vous le voyez? Allez, go. Ah oui, effectivement, ils ont quand même un peu plus de vie, j'ai bien l'impression. Waouh ! Quoi ? Quoi ? C'est du one-shot en difficile ? C'est un homme mort. C'est un homme mort! Wow. Attendez, j'ai besoin d'énormément de concentration! Il est mort. J'avais dit que t'étais un homme mort, je l'avais dit! Personne n'est surpris ici! Il était au courant, le mec! Ok, 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 ok. Oh, 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 oh. Attendez, attendez, mais j'avais oublié. Oui, oubliez pas qu'on a changé de niveau de difficulté. On est donc passé en difficile. Le jeu est magnifique, vraiment, mais dans ce jeu, il n'y a rien acheté. C'est incroyable. Chatoyant, ça me chatoyait.
Oh, on a quelque chose de très intéressant ici. Il faut y aller avec un petit escargot. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, voilà, moi je casse la gueule, moi. C'est, si j'ai un doute... Vous savez qu'une fois que le doute m'habite... Voilà. Les petites racailles extraterrestres, on vous l'a déjà dit que ça dégageait. On a pas mal de trucs très intéressants. Donc, on va tout récupérer en termes de munitions. Et on va tout récupérer en termes de petits escargots là. Et on va les récupérer aussi ce bordel là. Ça m'intrigue ça derrière là. Je trouve ça fascinant mais à la fois ça fait peur. Peut-être que c'est pas... Attendez alors parce que peut-être que ce n'est pas fait. Peut-être que ce n'est pas fait pour... Ah d'accord, c'est peut-être pour faire le tour. Vous savez le passage où à un moment on a ouvert une faille et on voyait de l'autre côté. Ok, c'était là. C'était là je pense pour moi. Donc, rien d'intéressant à ce niveau-là. Ça, c'est le point de spawn. Donc, on est venu par ici. Derrière, il y a un truc phénoménal à regarder là-haut. Attendez, regardez ça. Ah, mais on est loin d'avoir tout visité. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Non, c'est très bien. Regardez. Ah, voilà. Ça, c'est nouveau aussi. Ça vient de sortir. Ça, c'est, ça vient de sortir dans les bacs. Ok. Très bon. On prend... Très très bien ça. Bon bah on va rester encore un petit peu de temps sur cette planète. Je vous rassure, épisode prochain, quoi qu'il arrive, hein, retenez bien ce propos, quoi qu'il arrive, on switch de planète et on continue la suite de notre aventure. Mais ça va être donc un épisode 5 sous signe du rattrapage, du plaisir, de l'exploration et de l'amour. Évidemment, n'oubliez pas un maximum d'amour à travers des petits likes parce que bah ça fait toujours plaisir. Regardez, on peut fracturer le temps et pas que. On peut aussi fracturer des petits culs d'aliens et ça c'est plutôt pas trop mal. Ok, on a quelque chose ici. On va aller fouiller, on a un petit rapide. J'aime bien le bruit des petits escargots là. J'aimerais, je meurs d'envie de l'imiter depuis deux épisodes. Mais j'ai peur que ça soit une catastrophe en termes d'imitation. Déjà mon Jean-Luc Reichmann, vous l'avez pas quitté de ouf. Moi perso, mon Jean-Luc Reichmann, mon Nikos Aliagas, moi perso j'étais pas peu fier. Voilà, je vais être totalement transparent avec vous. Bizarre, attends, qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Ok, on a encore un truc à explorer ici, mais avant cela... Oh. Non! On a... Alors, on aura un truc à explorer là-haut. Ok. Ah, effectivement, il y a beaucoup de choses. C'est du Ratchet, il y a beaucoup de choses à fouiller. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Heureusement qu'il y a fin du, c'est heureusement que je vous ai écouté. Donc, c'est des points positifs un petit peu partout. On va essayer d'aller là-haut. Ça va être chaud ça hein. Je vois pas trop On va passer par là. On va passer par ici. Oh. Oh. On y est. Ben voilà, on y est. On y est totalement, messieurs dames. Un petit méchant, regardez. Ça dégage. Ça, c'est les petites crottes, comme on appelle ça. Dans l'univers extraterrestre, c'est des petites crottes. Bon, attendez, on va pas faire les crevards. On peut directement y aller. Je devrais peut-être pas tirer, d'ailleurs, sur des caisses accessibles à pied. Parce que c'est débile, à part gâcher des munitions. N'oubliez pas qu'on a quand même changé de niveau de difficulté. Santé collectée. Et ben voilà. Allez, let's go. Allez. Un bonus. Un monde bonus. Attends, si je fais ça... Je devrais pouvoir me frayer un passage. Ok. Bah alors là les potes Alors là les potes. Pas compris hein. Ah. D'accord. Bah ouais si j'ai compris. Ah c'est très intelligent hein. C'est hyper intelligent ce qu'ils ont fait hein. On va se faire des petits escaliers. Ah là là, c'est tellement intelligent. Mais alors là, je peux que dire GG. Putain, c'est tellement bien pensé. C'est un petit peu un Minecraft-like finalement. Ok. Il est mort. Oh merde, je suis un con.
Alors autant c'était très intelligent, autant j'ai été totalement... Ah ouais, comment on fait maintenant pour que ça ripop cette petite bêtise que j'ai faite? Est-ce qu'il faut attendre... En fait, ah ouais, non, c'est génial. C'est génial, c'est une très bonne idée. C'est con, hein. C'est une petite phase de gameplay un peu, voilà, un classique, entre guillemets. Mais c'est extrêmement intelligent dans sa construction. Ok, je crois qu'en fait, les caisses réapparaissent. Voilà, au bout d'un moment. Très bon, ça. Très bon, ça. Très bon, ça. Très bien, si on fait ça. Du challenge. Et moi, j'en veux du challenge, mon pote. Ok, 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 ok. Let's go! C'est trouvé et c'est dans la poche! Nouvelle tenue! Alors je sais que les tenues d'ailleurs apportent. Et ben voilà. 3 sur 3, ça veut dire qu'il reste donc 3 tenues dans la toute première planète qu'on avait fait avec Ratchet. Incroyable! Va falloir qu'on aille la chercher. C'est parti! On peut se casser. J'espère que vous êtes contents, que vous aimez bien les petites phases comme ça d'exploration. Je sais que ça plaît pas à la majorité des joueurs, évidemment. Beaucoup d'entre vous sont en mode « Oh, moi, je lance juste Let's Play parce que je vois l'histoire et après, je fais une Maître Gims, je me tire. » Mais bon, je pense que c'est plutôt sympa. Faut quand même passer par là. C'est un petit peu les à côté d'un jeu vidéo. Et les à côté d'un jeu vidéo, des fois, apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme là, finalement. En vrai, on découvre beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses, donc c'est plutôt cool. Vous avez vu, je vous ai écouté, hein, il y a eu 3-4 commentaires qui disaient « B-Boy, prends un peu plus ton temps. B-Boy, s'il te plaît, va découvrir un petit peu, parce que le jeu, il a beaucoup, beaucoup à offrir. » Et bon, c'est fait, les potes. Oh, 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 elle a peut-être quelque chose à me donner, celle-ci, là. Je vois que tu sais reconnaître un bon produit. Ok, alors, 7000... Pas trop envie d'acheter les choses qu'on a vues, par contre, bien envie d'améliorer. Augmente la quantité maximum de mun, augmente la quantité max, rafale encore plus précise, rafale plus précise. C'est une de nos meilleures augmente la vitesse des projectiles. Alors là, les gars, ça va swinguer, mais c'est... Eh, vous savez quoi? On va le mettre au max, le pistolet. Hein. On le met au max, je suis désolé, on se fait plaisir. Parce que bordel, qu'est-ce qu'il est bon. Réduit la dispersion des balles, ça va être incroyable aussi. Oh là 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 là, il y a même un porte-gobelet. Bon, bah ça c'est fait. Amélioration. Alors, on a quoi? Ici c'est pourquoi? Le rayon à charge augmente la durée d'un rayon entièrement chargé. Et le rayon touche davantage d'ennemis pour encore plus de dégâts. Incroyable. Attendez, et ben voilà, là maintenant on va falloir augmenter le rayon et on a le fusil à dispersion augmente la zone d'effet. On prend évidemment. Eh les potes, regardez-moi ça. Faut que je vous montre parce que là... Ok, bon, je m'attendais à peut-être un tout petit peu plus impressionnant, je vous l'accorde. Mais on prend quand même, on prend quand même. Alors attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je me suis arrêté là parce que j'ai vu qu'il y avait un marchand. Je me suis dit, si un marchand, c'est que l'entrée, elle est forcément à côté. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'espère que vous êtes fiers aussi, que j'ai augmenté le niveau de difficulté, que ça vous fait plaisir. Ça va être un peu plus corsé, je vous préviens. Et si réellement c'est de la promenade, même au niveau de difficulté difficile, mais je doute, hein, vraiment, je doute grandement à ce niveau-là. On mettra le niveau de difficulté max, mais là, on risque d'en prendre plein la gueule et de recommencer maintes et maintes fois. Allez, on est parti, on se cache pour un petit raccourci. Tu connais les raccourcis de B-Boy qui mènent très souvent à des bugs. Donc, ok. Qu'avons-nous ici? Tiens, tiens, tiens. On va faire tout le tour, parce que c'est pas facile à négocier les virages et on peut pas tourner la cam librement. What? Comment on peut aller là-dessus? Là, je... Ça me turlupine. Comment peut-on... Comment peut-on aller là-dessus? On va recommencer. On va faire en chemin traditionnel.
la tradition. Ça paye souvent. Nickel. Oh putain, j'ai cru que j'avais une petite en l'air. Là, réellement, je vois pas rien. Je vois pas. Là, je ne vois pas. Et ça me frustre énormément. On est hors map, c'est pas fait pour. Alors là, les amis, à moins d'un grappin, je ne saisis pas. Ok, on a un slide. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un petit endroit? Ah mais non, parce que les slides, c'est fait pour... Bah pour slider. Là, écoutez, je me pose beaucoup de questions. On va faire le tour de cette petite île qui m'a l'air très sympa. Là, on est encore en piste. Là, je vois pas. Non, c'est terrible. Mais c'est terrible. J'ai beau regarder. On va refaire un dernier demi-tour. Oh, du raritum. Oh non, je suis frustré. Ça y est, il y a une frustration qui se crée parce que on tourne autour d'un même objet sans même savoir comment on peut monter dessus. Ok, je ne vois pas. Mettez-moi en commentaire si vous avez une petite idée, ça peut être très intéressant, on reviendra dessus au pire. Mais là, réellement, je ne vois pas. Oh, on a du raritium, c'est un régal de raritium. Un véritable délice. C'est par là, on prend des raccourcis. Hein. Ok. Bon, deux raritium, c'est deux améliorations. Là, écoutez, GG parce que je vois pas. Je vois pas du tout où aller. J'en ai aucune fichue idée. Ils ont été bien trop forts pour moi. Je n'ai pas ce niveau-là de jeu et de réflexion. Félicitations. Ok, bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très frustrant. Mais c'est pas grave non plus. Ouais. Il y a une île aussi non explorée ici. Et on va aller là où on n'est jamais allé, évidemment. Putain, c'est grand en fait chaque map. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. What? On a des lianes en haut. On n'est peut-être pas fait pour aller ici. Non. Ah oui, d'accord. On n'est pas fait pour aller ici. Allez, on est dans une zone interdite. Oh non, on n'est pas fait pour aller ici. Oh là là. Ok. Très bien. On va aborder ici. C'est gigantesque. C'est gigantesque, bordel de merde. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Ah, là, c'est le spawn. Dégage. Là, c'est le spawn. Et donc... Toc. Oh non, fallait aller à droite. Fallait aller à droite. Oh, terrible. Ça veut dire que j'ai pas trouvé des petits... Des petits trucs sympas sur pattes, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Ah, une TP. Une TP, ils ont vraiment tout prévu. Une TP pour aller direct à l'usine. Ok, on prend. Ça va peut-être pas nous éloigner autant que ça. Ça nous a éloigné autant que ça. Non, en vrai, on va prendre. On va prendre parce que là, on a fait une ligne droite et il y a tellement de trucs à explorer. Vraiment, vraiment stylé tout ce qu'il y a à faire. Incroyable. Il y aura peut-être et sûrement un boulon en or.
Ok, qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Rien? Vous avez fait une île de rien? Possible ça? Mais strictement rien. Ah, peut-être que pendant la course-poursuite, des joueurs passaient par ici. Attendez, un petit 360 noscope. C'est juste pour voir s'il y avait quelque chose. Sûrement que dans la course-poursuite, des joueurs devaient passer par là. En mode raccourci ou pas. Qu'est-ce que je fais? Incroyable, je fais que de la maîtrise. La maîtrise du plaisir! Je suis un connard. Je pensais qu'on pouvait l'utiliser en tremplin. C'est terrible. C'est terrible. Ok. Allez, on est parti! On est reparti. On va aller dans. Dans encore un morceau d'île inexplorée. Alors, là les potes, il va falloir se réveiller tôt. Non. Ils vont me TP où? Ça va. Il va falloir se réveiller tôt, ça va pas être facile. Ça va clairement pas être facile. Ici, on est reparti. Allez, on est reparti. On va y arriver, allez, sur cette île, on va y arriver. Pas de soucis, pas de panique à bord, les potes, le fun et la vitesse d'abord. Allez, on se concentre. C'est un petit labyrinthe, mais tu connais, toi-même tu saches. Bah voilà, allez, ça dégage. Bon, par contre, il faudrait qu'il y ait un truc, quoi, les gars, hein, histoire qu'on fasse pas tout ça pour rien, non, je sais pas. Non, ça intéresse personne, hein. Genre un bonus, Enfin, les gars, je demande pas la lune, mais enfin... Une caisse... Non, c'est une blague ou quoi? Oh. C'est terrible. Rien. Le néant. Incroyable. Le putain de néant. Même pas de quoi revenir en arrière. Oh putain, attendez. Un truc con. Oh, ça aurait été ouf que ça, on serve d'escalier. Que dalle. Bon, bah voilà. Allez, on se fout en l'air. Oh, quelle déception, les amis. Quelle déception. Et il restait aussi un truc à explorer. Et ce truc est ici. Ici, on n'y arrive pas. On sait pas du tout ce que c'est. Et cette plateforme. Allez, c'est parti. On va faire demi-tour vite fait. Donc, comme je disais, très bien. Il reste à gauche. Cela semble très douloureux. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Alors, finalement, cet épisode va pas ressembler à grand-chose parce qu'il va être éclaté, si je peux me permettre. Genre, je pense que là, ça fait une heure qu'on joue à peu près. Et il va être éclaté puisque je vais prendre que les moments intéressants pour vous. Sinon, c'est pas... voilà, hein. Les moments où je fais multiples tentatives, bon, vous les verrez, vous en verrez quelques-uns. Mais on va pas voir que ça non plus. Et ben ça, c'est bien dommage. Alors, attendez, un petit 3-6. Ça peut être le bon move. Ça serait salaud, mais bon... Y a rien. On a littéralement... Oh là là, c'est trop... c'est tellement grand. C'est tellement grand. Ça se trouve, c'est même hors map, en fait. Genre... Oh là 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 là. On a des rampes... Non, mais attendez, les gars, c'est une blague ou quoi? On a des rampes pour aller quasi hors map? Que cela se reproduise. Bon, on va s'arrêter là, les potes. On va s'arrêter là.
On en a fait bien plus qu'il n'en faut. J'espère que ça vous a plu. Regardez comme c'est magnifique. J'espère que cet épisode très chill, très exploration, montée de difficulté, vous a plu. On se retrouve pour l'épisode prochain pour la suite de notre incroyable aventure. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.